Il te reste 26 secondes. Dans 10 secondes. Musique. Top. Voilà. Alors, le livre est en premier plan ici. Vous voyez, donc je vais vous demander de rester là. Faites attention surtout à ne pas tomber. Oui. Je vous en prie. Chaque semaine, Philippe Goudet reçoit en plateau un auteur de la région. L'émission est enregistrée en régie, puis sera diffusée le lundi suivant dans le journal du midi. Philippe, on peut y aller ? Plateau. Robert Fitt, bonjour. Dans une régie, on trouve une script, des techniciens vidéo, un ingénieur du son, un chef éclairagiste et des opérateurs de prise de vue. La régie, c'est le cœur de la machine en télévision. C'est elle qui permet de diffuser les signaux TV. Dans la régie, il y a un cœur qui s'appelle la grille. Par la grille passent tous les signaux, toutes les images et le son, et tous les sons qui peuvent passer à l'antenne. Et on choisit avec le matériel qu'on a à notre disposition de mélanger ou de ne pas mélanger les images. Et voilà, c'est à peu près ça le fonctionnement de la télévision, simplement. Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, Vue d'ici s'est installé au musée de Louviers. Mais les émissions d'une télévision régionale se fabriquent surtout à l'extérieur. C'est le cas de Vue d'ici, qui suit chaque soir le journal télévisé. Chaque jour, on doit tourner une émission complète. On tourne 7 minutes 20 le matin. Donc on est cette équipe de 4 personnes à chaque fois, plus une autre équipe qui tourne un reportage. L'après-midi, on monte et on diffuse le soir même. Sur le plateau, Pascal est script et sa mission est particulièrement précise. Ok. Il nous reste 6 secondes à rattraper. Assurer déjà qu'on tourne tous les bouts qui ont été prévus. Le plateau de présentation, le plateau de fin et les différents plateaux invités, et de m'assurer que ça fait la bonne durée, puisqu'on s'inscrit dans une durée extrêmement précise, et dire à Magali et à l'équipe, attention, on déborde, il faut qu'on fasse plus court ou il faut qu'on fasse plus long. La contribution du journaliste reporter d'images est essentielle aussi. Il apporte sa technique, mais surtout son point de vue sur les choses. Il y a une sémantique de l'image, mais après il y a surtout, je pense, le métier, la façon de regarder les choses, d'observer... Il faut aimer les gens, oui. Il faut aimer la vie, il faut aimer les gens pour leur transcrire. Oui. 18.05 pour nous. Retour à la case départ, en régie, à l'heure de la diffusion du produit fini.